Thank you.
avec son ombre. Il est comme nous venons de le chanter. Le Dieu qui a la main immuable. Le Dieu dont la main ne change pas de position. Il est le Dieu fidèle. C'est quand il nous parlait sur la fidélité de Dieu. Tu dois toujours tenir la main de Dieu. Parce qu'il ne te rejettera jamais. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu qui t'a appelé sur ce chemin. Et lui-même aussi t'amènera à la perfection. Afin que la gloire revienne à lui-même Dieu. C'est lui-même qui te sanctifiera, frère. Il te fera entrer dans sa gloire éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous faisons la lecture de notre chapitre de 2 Pierre 1. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. Nous lisons jusqu'au verset 11. Je vous prierai de nous prêter vraiment attention. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tous nous a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les grandes, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Enfuyant la corruption qui existe dans le monde. Corruption pour la loi. Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Na bolamu pe boyebi. À la science, la tempérance. Na boyebi, na boyeba na komi kanga. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Kokanga manan zambe.
à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, si ces choses sont en vous, et ces choses-là sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point. Et aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous longtemps à plus affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous nous rasseyons. Nous continuons avec notre étude. Nous prenons Josué chapitre 3. Nous lisons même le verset 9 et nous descendons. Le verset 8. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Tala na koleka na komema mosali na yo mosali na ngai mboto ya sika. Car voici, tala sikoyo, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, na oye tali libanga o na tiaki na se ya Josué, devant Josué, na liboso na Josué, il y a sept yeux sur sept seuls pieds. Et tali na miso sambo na libanga moko wana kaka. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. C'est la pierre. Quand on grave, on écrit sur la pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Timothée chapitre 5. Nous prenons seulement même Tite chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Vraiment, que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Nous lui sommes encore très reconnaissants parce qu'il lui a plu de nous donner les soirs d'aujourd'hui. Parce que nous ne les méritons pas. Et il a plu au Seigneur de nous les donner. Que nous puissions nous approcher de lui.
Donc que le Seigneur soit béni pour cela. Qu'il soit aussi béni à cause de ta présence. Amen. Amen. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui est notre prédicateur. Parce que dans cette alliance, il enseignera son frère. Donc, je l'ai toujours répété pour que vous sachiez que nous ne sommes que des simples instruments. Mais le vrai prédicateur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui connaît les soucis des âmes. Les soucis des âmes. Il connaît tout un chacun de nous. Il connaît ce que toi tu veux. Il connaît les besoins de ton cœur. La Bible dit. L'Éternel Dieu m'a appelé. Et il m'a donné une langue exercée. Pour fortifier celui qui a le cœur abattu. Et nous croyons que cet appel de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est dans le ministère de la parole. C'est pourquoi je crois que le Seigneur Jésus-Christ va t'assister ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les choses conformes à la sainte doctrine. Nous prêchons ainsi pour que l'Église ait la connaissance des choses de Dieu. Parce qu'en gardant ces choses que nous entrerons dans le royaume, si nous ne gardons pas ces choses, ou si nous ne les connaissons pas, le royaume éternel non plus ne nous sera accordé. C'est pourquoi nous enseignons sur ça. Parce que l'église n'est pas la maison d'un homme, mais c'est la maison de Dieu. Et nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons connaître comment est-ce qu'on se conduit dans cette maison-là qui est la maison de Dieu. Prédicateur aux fidèles nouveaux venus. Tous nous devons connaître la ligne qui est tracée dans cette maison-là. De peur de se faire rejeter. Je vous avais dit la fois passée. Moïse était un prophète puissant. Un prophète puissant en parole et en œuvre. Mais après avoir marché avec le peuple, il demandait toujours à Dieu de lui révéler ses voies. Alors il dit que je trouverai grâce à tes yeux. J'insiste sur ça pour que tu saches l'importance de la parole. L'importance des choses conformes à la sainte doctrine. Parce que si tu ne connais pas ces choses, alors tu es aussi déchu de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne connais pas ces choses, frère, les ordonnances de Dieu, les chemins qu'il a tracés aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, tu es déchu de la promesse qui est réservée aux saints. J'ai dit que la promesse qui est réservée
au sein. La promesse d'entrer dans le royaume. Et ce jour-là, lorsque l'agneau a été immolé, ils sont sortis. Ils sont arrivés dans le désert. Ils étaient arrivés même avec les fauriens. Les gens là, on appelait les ramassis. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, pour entrer dans Cana, on a imposé le respect de la loi. Voilà pourquoi nous enseignons ces choses. Dieu l'a dit dans le livre des Psaumes 119. Le verset 4. Jusqu'au verset 5-6. Il a dit, tu as prescrit tes ordonnances. Tu as prescrit tes ordonnances. Apôtres. Lisons Actes des Apôtres chapitre 1.
Le verset premier jusqu'au verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Ici, celui qui parle, c'est le frère Luc. Dans Luc avait écrit le premier livre à Théophile. Il était un frère. Si vous lisez seulement le chapitre 1er de Luc, le verset 1, vous allez voir que c'était adressé à Théophile. Là, c'était le premier livre qu'il y avait écrit. Maintenant, il voulait lui écrire aussi le deuxième livre, les Actes des Apôtres. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparaît vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ici, on nous montre vraiment que Jésus avait laissé ses ordres aux apôtres. Et c'était ces ordres-là qu'il leur avait ordonné de les enseigner à l'église. Et ce sont ces ordres-là que nous enseignons aussi aujourd'hui. Et comme Dieu prescrit les ordonnances, on fait qu'on les observe avec soin. Éprouvé. Et si cette maison-là subsiste,
chapitre 3. Ayez l'habitude d'apporter des blocs notes à l'église. Vous appareillez pour enregistrer l'enseignement. C'est très important. Ça va t'aider, frère. C'est seulement pour ta foi. On avait dit que pour devenir comme Jésus, tous ceux qui dorment se réveillent, nous sommes à l'église. Si tu veux devenir comme Jésus, tu dois beaucoup écouter la parole. Parce qu'on devient semblable à l'image du miroir lorsqu'on la regarde constamment. Le feu, c'est comme le jugement pour éprouver ce
Je vous avais dit la fois passée que le sage Salomon disait, il est pour chaque chose. Donc pour chaque chose. Donc pour toute œuvre. Il y a un don. Il y a aussi un jugement. Donc il y a le temps de bâtir. Il y a le temps d'éprouver ou de juger ce qui a été réalisé. On dit que c'est révélé. Donc l'œuvre de chacun se révélera par le feu. Et le feu éprouvera que l'œuvre de chacun. Ekomeka mosala ya moto na moto. Ekomeka oyo ezali mosala ya moto na moto. Amen. Donc quand ce jour-là viendra, donc ce jour-là va éprouver ce que les gens ont fait. Si ça prouve que tu as bâti non conformément au fondement, et ton œuvre n'est pas solide, qu'est-ce que ça va se passer? Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, tel que le Seigneur la lui avait donné.
devait venir sur la terre. Si le Seigneur avait trouvé l'arche faite avec un autre quoi que c'est lui de confier, il ne serait pas sauvé. Et il serait pas sauvé. Amen. Ah. Amen. Ah. C'est comme ça aussi aujourd'hui avec l'église de Dieu. Les alipes bon mot, les lois, les clés, les ensembles. C'est pourquoi vous avez donné l'écriture aussi de Matthieu chapitre 7. Celui qui a bâti sa maison sur le roc et sur le sable. Donc il y bâtit. Il bâtit sur le sable. Il termine. Il bâtit aussi sur le roc, il termine. Mais ce sont les grands des eaux qui vont révéler que cette maison était bâtie sur le sable. Ah, et Zalidena Maï. En réalité, quand on bâtit sur les sables, on ne connaît pas encore qu'on bâtit sur les sables. Mais c'est là l'épreuve ou le fait qui va révéler que cette maison était bâtie sur les sables. Parce que c'était qu'une parabole que Jésus donnait. C'est pourquoi j'avais dit que se forcer à bâtir sur la pierre ou le roc. Le changement conforme à la sainte doctrine. Nous parlons sur la pierre à ses yeux. Amen. Amen. Je voulais exhorter aussi comme ceci. Tu dois veiller sur ta vie. Comment est-ce que tu es bâti dans les choses de Dieu? N'accepte pas une chose qui n'est pas la parole. Même mais si cela vient de moi, ne l'accepte pas. Même si cela vient de qui, ne l'accepte pas si ce n'est pas la parole. Paul disait, même si un ange tient, venez et vous prêchez un autre évangile contraire à celui que je vous ai annoncé, que cet ange là soit maudit. Là on a parlé de l'ange du ciel. Il est descendu. Il a dit même moi-même. Amen. Donc lui-même, il n'était pas autorisé à prêcher tout. Non. Trop d'ego. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ah. Donc tu n'es pas obligé à accepter quelque chose qui n'est pas la parole. Nous parlons sur la pierre à ses yeux. Amen. Amen. Ah. La pierre dont il est question ici, on a d'abord commencé par lire les livres, l'épître de l'apôtre Pierre. Réveillez maman Sarah qui dort. On ne dort pas à l'église. Il dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie la vie dont il est question là ce n'est pas la vie sociale. Parce que j'ai déjà entendu des gens parler de cela comme la
vie sociale sur la terre. Donc c'est la vie de Dieu. À la vie et à la piété, c'est presque la même chose. On dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire pour nous assurer les plus grandes et les précieuses promesses afin qu'on devienne participant de la nature divine. Veuillez bien suivre les enchaînements. On dit la puissance de Dieu par la connaissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ces choses-là qu'on nous a données là, c'est ce qui fera, hein, ce sont ces choses-là qui feront qu'on puisse être participant de la nature divine. Et lorsque nous aurons cette nature divine, on nous allons fuir la corruption qui règne dans le monde. C'est ça, amen. Et cette corruption, c'est par la convoitise ou le mauvais désir. Et quand il y a des quand on dit convoitise, ça peut être l'envie qu'on convoite. Mais dans beaucoup de sens, dans les épîtres, ce sont des mauvais désirs. Amen. Amen. On dit, mais à cause de cela, faites de tous vos efforts. Ajoindre à votre foi. Cela veut dire la première chose qu'on a donnée. Alors, la première chose qu'on a donnée. Pour que nous participions à la nature divine. C'est la foi. Amen. On dit, joindre à votre foi. À notre terme, la foi était déjà là. Amen. Maintenant, on dit joindre à votre foi. La vertu. À la vertu. La science ou la connaissance de Dieu. À la connaissance. La tempérance. À la tempérance. La patience. À la patience. La piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour de Dieu. On dit si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs. Ni stériles. Attention. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on connaît Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu ne dois pas rester stérile. Tu dois produire. Maintenant, tu dois produire quoi? C'est cette chose ici qu'on vient de nous citer. Parce que connaître Jésus-Christ, c'est déjà avoir la foi. On dit si ces choses sont en vous. On dit mais c'est lui en qui ces choses ne sont pas. Il est aveugle. Ça veut dire que cette chose-là, ce sont des yeux. Si tu manques ça, tu vas marcher aveugle. Ou si tu manques l'une de ces choses, tu seras borgne. Borgne, cela veut dire que Azagi lit sur mon corps. C'est ça. Avant, on a lit sur mon corps, sur Azagi. Or, pour aller au ciel,
Maudite. Je suis dans 2 Rois chapitre 9, le verset
verset 37. Dans Deux Rois chapitre 9 verset 37. On dit allez voir cette maudite là. Et enterrez-la. Parce qu'elle est quand même aussi fille du roi. Azali mwana ya nkumu. Un roi étranger. Nkumu ya mopaye. Vous allez lire ça dans Deux Rois chapitre 16. Lorsqu'on est allé voir, Jézabel pour l'enterrer. On dit on a trouvé que les crânes. Donc retenez ici, nous sommes dans la corruption qu'on nous a parlé dans 2 Pierre 1. Je veux vous expliquer ça par rapport à Jézabel. Parce que j'avais dit le monde aussi c'est comme un champ. Et on utilise aussi le fumier ou cette pourriture pour les semences qui sont dans les champs. On dit qu'on est allé le foulavoir. On a trouvé seulement le crâne. Bongo, bongo, c'est un volet crâne. Moukou à moutou. Donc, la main, la paume des mains, et les pieds. Alors, ils se sont souvenus de la prophétie que Dieu avait annoncée sur cette femme. Par la bouche de Élie le prophète. On avait dit que Dieu avait dit. Que Jézabel, son corps, deviendra comme un fumier dans les champs de Jisraël. Donc les cadavres de Jézabel pourris ou corrompus sera comme un fumier dans les champs. Qu'est-ce qu'on a appelé fumier là-bas? Jézabel a été vaincu. Elle est morte. Mais il y a la pourriture de Jézabel. Sa manière de faire. Le na ya sa vie. Sa manière de réfléchir. Na ya sa manière de se conduire. Na ya et c'est ce qui se trouve aussi aujourd'hui dans le monde. Le on voit les complots. Parce que Jézabel n'aimait pas les saints. Jézabel tue vraiment. Jézabel a banné pour m'apprendre. Si tu es là, tu es prophète, tu gardes la parole. Jézabel va te tuer. Jézabel a si tu es là, roi, tu veux faire des complots. Jézabel va t'aider à réaliser ton complot. Jézabel comme elle avait réalisé les complots contre Naboth. Il dit quoi? Naboth a refusé les chats. Naboth était un bon frère. Naboth était un bon frère. On est venu lui proposer une coopération ou bien un projet qui s'opposait à la parole. Il a dit à Akab, m'a refusé.
refusé l'échange, je suis triste. Il a répondu à Akab. N'est-ce pas toi qui exerces la souveraineté sur Israël? N'est-ce pas toi qui es roi? Et là, il a dit, vous allez comment à Israël? Moi je vais te donner les champs de la botte. Regardez ces pensées. Les pensées qui s'opposent à la parole. C'est la pourriture qu'il y a aujourd'hui même dans le monde. Mais à la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'on te parle de la parole de Dieu. Lorsqu'on te parle de la parole. Cela veut dire moi
C'est là. C'est l'engagé là. Non, c'est l'engagé là. Là aussi, un sens dans la prophétie des Écritures. Parce que le travail, c'est comme les douleurs de la faim. Parce que là, quand l'église commence, ça marche. Elle éprouve directement les douleurs de la faim. Hein? Pour dire que dans la marche de l'église, c'est toujours Jésus revient bientôt. Que personne ne vous prêche que moi je vois le Seigneur ne va pas venir maintenant. Qui t'a dit ça? Péché. Je reviens sur le fumier. Quand tu as la vie de Jésus, par la connaissance, par sa puissance, tu fuis la corruption qui est dans le monde. Tu fuis la mauvaise vie qui est dans le monde. Cela veut dire que quand les gens du monde croissent dans le mal, mais tu n'y es plus. Ils sont restés dans les membres. Ils sont en train de croître par l'aide du fumier et de la corruption. Corruption et de l'épaule. Mais toi, tu es venu en Jésus. Tu es devenu membre du corps de Christ. Si tu ne les manifestes pas, alors on dit tu es aveugle. Tu es encore dans les péchés. Tu es encore dans la corruption. Et Pierre a exhorté. Appliquez-vous. Appliquez-vous. Votre élection. Et vous serez digne du royaume de Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout le chacun. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour la prédication de ce soir. Dis merci au Seigneur pour la prédication de ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ.